Maintenant, mes chers frères et sœurs, après vous avoir dit exactement combien la résurrection est une chose très simple, très compréhensible, mais pour la réaliser, évidemment, il faut beaucoup de travail. Et voilà pourquoi je vous ai amené vers le soleil, parce que le soleil dépasse tout, tout, tout. Aimez-le, arrêtez-vous sur lui, contemplez-le, cherchez-le, pensez à lui, et surtout tâchez de lui rassembler. Mais vous verrez la résurrection, la rapidité avec une rapidité de changements, de déplacements, de remplacements de personnel, de particules, de cellules, de tout, et des qualités nouvelles qui apparaissent. Un homme nouveau. Alors, considérez désormais le soleil comme celui, l'initiateur de la résurrection. C'est lui qui est la cause de la résurrection. Il n'y a pas d'autre. Et maintenant, si je dois encore continuer à vous parler, qu'est-ce que je vais vous tirer encore? Vous direz, oh, il n'y a plus rien à dire au sujet du soleil, on a tout dit. Oh là là, là, là on n'a rien dit encore. Et maintenant, quand vous êtes devant lui, regardez, quand vous êtes devant lui, vous êtes deux, lui et vous. Et quel rapport il y a maintenant entre lui et vous? Encore une chose dont on ne s'est pas aperçu. De nouveau, le livre de la nature vivante, j'ouvre le livre de la nature vivante et je trouve encore une chose extraordinaire qui n'était pas vue. Vous et le soleil, et vous voyez le soleil. Est-ce que vous vous êtes arrêté sur le mécanisme, sur la science, sur la structure de l'œil et du soleil? Pourquoi vous le voyez? Qui est la cause de ça? C'est lui, pas vous. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas lumineux, vous ne le verrez pas. Alors, il est devenu lumineux et pour être vu. Ah, à ce moment-là, on est obligé de réfléchir, de dire, la lumière fait voir les choses. Quand il n'y a pas la lumière, comme pendant la nuit ou dans les souterrains, dans les caves, ce n'est pas éclairé, on ne voit rien. Et comment ça se fait que le soleil nous fait voir le monde, voir tout, hein, par ce rayonnement, par cette lumière qui vient et qui nous révèle le reste? Oui, 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 c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais alors, pourquoi nous ne voyons pas certaines choses dans la vie? Parce que nous n'avons pas ces rayons, ces lumières projetées pour éclairer les objets, les choses, pour les voir. Alors donc, le soleil explique des grands mystères. Pour devenir clairvoyant, pour voir le côté subtil des choses, des objets, de la vie, ça veut dire tout ce qui nous échappe, là, au point de vue intellectuel, supposons, pour voir ces choses-là. Ah, il faut ou quelqu'un qui vient nous éclairer, ça veut dire projeter sur ces choses-là une lumière et que nous les voyons, ou alors que nous soyons capables de projeter nous-mêmes ces rayons comme le soleil le fait. À ce moment-là, nous verrons ces choses-là. Donc, le soleil nous explique comment nous pouvons voir les choses que nous ne voyons pas. Alors, il faut donc rayonner. Il faut donc briller comme lui. À ce moment-là, le monde invisible se découvrira devant nous, devant les yeux spirituels, et même on verra d'autres choses encore. Voilà le mystère, le secret qu'on n'a pas vu. Que nous devons être comme le soleil pour voir les choses que nous ne voyons pas.
Alors, c'est quand nous arriverons à projeter une lumière qui sortira de nous, alors beaucoup de choses, nous les verrons.